breathing? Yeah. Yep. Un peu partout sur leur passage. Plusieurs personnes ont trouvé la mort et de nombreux blessés ont été transportés à l'hôpital. Un peu plus tard dans la matinée, les élections ont été annulées par le Conseil électoral provisoire. Un climat de peur et de sécurité s'est installé dans le pays pour le reste de cette journée du 29 novembre 1987. Voici le témoignage d'un collègue français. Voilà, nous étions en train de filmer l'ouverture de ce bureau pour TF1, la première chaîne de télévision française, quand 50 hommes environ armés se sont précipités sur le bureau qui allait ouvrir ses portes. Il manquait juste les urnes et les bulletins, comme un peu partout d'ailleurs. Et ces hommes m'ont attaqué. Nous sommes sortis à ce moment-là du bureau. Nous étions en train de filmer leur attaque. Et nous avons fui par les jardins alentours. Sinon, ils nous auraient massacrés avec les autres. Il y a 14 morts et beaucoup de blessés. Et tous les gens qui sont restés à l'intérieur ont été gravement blessés ou en tout cas battus ou ont essuyé des coups de feu. Nous n'avons plus de voiture, nous n'avons plus de caméra, tout le matériel a été bien sûr massacré à coups de hache, abîmé profondément. Mais nous continuons.